Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, donc setup, enfin plus ou moins setup. C'est vrai que j'ai racheté quasiment tout, sauf le bureau et sauf la chaise. J'avais bon plutôt une bonne chaise. Donc aujourd'hui, voilà, mon nouveau PC gamer. Ça fait très longtemps que je l'attends, dans le sens où j'ai quand même pas mal économisé pour l'acheter. Ça m'a quand même coûté petite fortune hein. Donc j'ai acheté un PC. Donc cette vidéo, vous allez voir, en fait il y aura plusieurs parties. La première partie où je vais vous montrer en fait deux vidéos, donc qui vont se répéter tout le long de cette vidéo. Et puis la deuxième partie en fait, où je vais justement vous montrer des images avec les vidéos en fond pour illustrer donc les propos. Donc en soi, j'ai acheté un PC, un écran, un clavier, une souris, un casque, un nouveau casque que vous allez voir en image et en vidéo d'ailleurs tout à l'heure. Donc en soi, ça va vraiment absolument tout changer hein, sur ma chaîne. C'est-à-dire que vous allez voir les caractéristiques juste après. Avant, j'avais un PC vraiment, je sais même pas comment le décrire. Hein, c'était, en fait, c'était en dessous de i3. En fait, c'était un dual core, hein, un petit peu comme un i2 quoi. Avec 4 Go de RAM, je crois que j'avais même pas de carte graphique. C'était vraiment un PC extrêmement, extrêmement nul, on peut le dire. Mais bon, je faisais avec. Et maintenant, voilà, je me retrouve avec un PC. Donc, pour les caractéristiques, vous verrez tout à l'heure, mais je peux vous les dire maintenant. C'est un i7 7700K, donc un 16 Go. Donc, je m'y connais un petit peu en informatique, vu que justement, je suis en études en informatique. Donc voilà, c'est un 16 Go. En carte graphique, j'ai une Nvidia 1070 GTX avec 8 Go de RAM dédiée. Donc ça, c'est vraiment parfait, hein. En soi, c'est vrai que là, on pourra toujours me dire, ouais, mais pourquoi t'achètes un PC comme ça alors que tu as Dofus? Alors, premièrement, je ne compte pas que jouer à Dofus. Deuxièmement, vous savez, quand on joue, donc je compte hein, me créer d'autres comptes. Hein. Par exemple, quand on joue à 8 comptes, en fait. Et qu'en plus on est en ultra et qu'on filme et qu'en plus il y a des chances que je compte streamer. Donc la seule chose que je n'ai pas acheté dans le PC, enfin dans le setup plutôt, c'est voilà un nouveau bureau. C'est vrai que ça c'est un vieux bureau que j'ai. Également une cam et aussi la chaise gaming. Mais c'est vraiment tout ce qui manque dans ce PC. Donc en écran j'ai un 24 pouces. Du coup bon là vous allez voir les vidéos vont se répéter, il n'y a pas de souci. Vous allez voir après, je vais justement balancer donc les images. Là vous allez voir à l'instant. Les caractéristiques, donc pour ceux qui s'y connaissent en informatique, je pense que vous avez quand même rigolé hein, vis-à-vis des caractéristiques, pardon. Donc à gauche, les anciennes, 4 Go de RAM, voilà, un vieux processeur Intel Core 2 Duo, et je passe d'un 2 Duo à un i7 avec 16 Go de RAM, 1 TO, j'ai également de la SSD, ça j'ai oublié de le dire. Je suis en Windows 10 avant, bon, j'avais un craqué en 8.1, mais c'est vrai que ça me fait quand même assez bizarre de changer de PC. J'ai eu beaucoup, mais alors beaucoup de personnes hein, sur les réseaux, notamment sur Snap, qui s'y connaissaient en informatique. Hein. D'ailleurs, j'ai encore un petit problème. Bon, j'ai reçu mon PC hier. Donc là, vous pouvez voir justement les colis de livraison. Donc j'ai commandé sur Top Achat. Moi, je vous conseille Top Achat, c'est vraiment. Une bonne entreprise, donc l'écran en 24 pouces Full HD hein, évidemment de type Acer, de la marque Acer. Donc là vous pouvez voir, je l'ai acheté 170 euros. Bon, vous en avez des Asus hein, quasiment pareil à 110 euros, mais moi en fait je préférais vraiment cet écran là. Pourquoi? C'est parce que l'écran, je trouve qu'il est vraiment stable, hein, une sorte de trépied comme ça qui maintient justement l'écran et c'est vraiment nickel. Sinon, en ce qui concerne le design, comme vous pouvez voir du PC, je le trouve vraiment magnifique parce que au début, c'est vrai que je voulais pas forcément monter ma propre config, mais c'est juste qu'il y a des boîtiers qui sont vraiment très beaux, contrairement à d'autres. Donc là, le casque que j'ai pris, c'est un HyperX Cloud 2. Franchement, j'ai rarement vu un casque comme ça. D'ailleurs, je parle avec un casque vraiment énorme. Donc là, ça c'est vraiment les composants externes que j'ai pris au PC. J'ai vraiment pris à part, j'ai pas commandé sur Top Achat, je l'ai commandé sur Amazon. D'ailleurs, il est venu vraiment quasiment le lendemain. Donc un casque coûte quand même 85 euros, mais c'est parce que j'ai pris la couleur rouge. Si je l'avais en noir, c'était à 70. Le clavier Klim, tout le monde connaît ce clavier à 30 euros. Il est multicolore, il est juste magnifique. La souris, j'ai pris une souris pas chère. Hein, je voulais pas mettre 70 euros dans une souris Razer quoi. Et en termes de tapis de souris, j'ai pris une
un tapis de souris aussi classique, voilà. Je pense que le PC m'a coûté assez cher comme ça. Alors pour le PC, juste pour le PC en soi, l'unité centrale, j'en ai eu pour 1 600 € avec 100 € de réduction. Pourquoi 100 € de réduction? En fait, Top Achat sur Twitter, ils sont vraiment, enfin, ils sont tellement actifs dans le sens où, bah en fait, ils vous donnent des codes de réduction pour les commandes de plus de 1 000 €. Donc, bah pour moi, ça m'a arrangé. Donc, le PC en soi, il m'a coûté 1 600. Donc, l'écran, plus ou moins 160. 1 600, donc moins 100, donc ça fait 1 500 €. Après, voilà, j'ai eu beaucoup de discussions, hein, beaucoup, mais alors beaucoup, 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 beaucoup de discussions avec les personnes sur Snap, hein, qui me disaient, mais Joy, pour moins cher, t'as pareil pour moins cher en montant ton propre PC. Alors, ça, il faut vraiment quand même mettre les choses à plat, c'est-à-dire que c'est archi faux dans le sens où j'ai beau tester, moi je mettrai tout le temps comme quoi je prendrai Windows 10. Je veux également que le PC soit monté. Donc Windows 10, rien qu'en soi, il coûte 130 €, hein, la version officielle, plus qu'il soit monté et livré. Donc forcément, à partir de ce moment-là, ça coûte déjà 200 € en plus. Et lorsque je faisais justement des configs moi-même, hein, avec les mêmes configs que j'ai fait, que j'ai eu sur ce PC, c'est-à-dire i7, 16 Go, de la SSD. Bon, moi j'ai que 128 de SSD, c'est vrai que c'est un petit peu le bémol. Bon, après ça m'arrange. Enfin, ça me dérange pas tellement dans le sens où je pourrais racheter de la SSD, c'est pas très grave. Même un TO, j'ai qu'un TO en soi, mais ça c'est pareil. Hein. Je peux acheter des disques durs. À l'heure actuelle, on en trouve vraiment 4 Tera, vous en trouvez pour 130 €. Enfin, c'est avant ça coûtait tellement cher, maintenant ça coûte pas grand-chose. Donc là, le casque, comme vous pouvez le voir, avant j'avais un casque Logitech G430 et je suis passé. Donc, j'ai justement un HyperX Cloud. Alors, franchement, j'ai justement demandé votre avis, hein, que ce soit bon, enfin, surtout sur les réseaux sociaux, parce que sur les vidéos, bon, j'ai pas pu ces derniers temps, mais j'ai demandé votre avis entre Corsair, Triton et Razer. Bon, sur Twitter, c'est Razer qui a dominé, hein, je crois, avec 40% des voix. Ensuite, on avait Triton. Et bizarrement à la fin Corsair, mais c'est vrai que ça m'étonne beaucoup. Donc là vous pouvez voir, il y a un mode 7.1. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mode, c'est simplement qu'en fait, en gros, vous entendez tout en 3D. Alors pour Dofus, ça change pas tellement, c'est vrai. Mais si jamais vous jouez des jeux vraiment en 3D, etc., avec beaucoup plus de ressources, du genre Counter-Strike ou peu importe, même Arma 3, je sais qu'actuellement avec ce PC, pour ceux qui ne savent pas et qui ne me suivent pas forcément sur les réseaux, hier, dès que j'ai reçu le PC, j'ai voulu tester la puissance et donc j'ai ouvert 25 comptes. Donc, forcément, 25 comptes. Alors, c'était pas des comptes à chaque fois. Comment dire, j'ai pas 25 comptes à connecter, mais j'ai ouvert 25 pages. Et c'est vrai que ça me fait un choc. Moi, maintenant, je me dis, ça va vraiment changer la donne dans la vidéo. Parce que souvenez-vous, j'avais tout le temps des problèmes vis-à-vis de la qualité de la vidéo en soi. Puisque je buguais énormément. Quand je ne filmais pas, j'étais quasiment tout le temps en qualité ultra basse. C'est-à-dire une qualité quand même assez dégueulasse. D'ailleurs, en ce qui concerne Dofus, en parlant de Dofus, en parlant des jeux. Est-ce que je vais jouer sur d'autres jeux? Moi, franchement, j'aimerais bien vous proposer du Call of, quelques parties, pourquoi pas. Left 4 Dead, c'est vraiment une chose. Ça doit faire 2 ou 3 ans que j'y pense. Faire des vidéos sur Left 4 Dead 2. Vous savez, c'est un jeu d'escape, en gros. Il y a des zombies qui vous coursent, pardon. C'est un jeu en multijoueur. Left 4 Dead, j'adorerais vous faire des vidéos là-dessus. Après, je sais très bien que c'est assez quand même. Enfin, c'est pas trop bien vu le fait de faire une transition alors que ma chaîne c'est globalement du Dofus. Mais moi, maintenant que j'ai un PC comme celui-là, je peux connecter. Enfin, je peux jouer quasiment à tous les jeux. Notamment que j'ai une très bonne carte graphique, hein, une 1070. C'est l'avant-dernière quasiment en termes de. Pas forcément de puissance, parce qu'après il y a des cartes Nvidia Titan X qui coûtent 1 000 €, mais en termes justement de rapport qualité-prix,
Il y a juste la 1080 juste après, donc en plus de base je voulais prendre une 1060. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo setup un petit peu de mon PC gamer vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes. Moi je vous dis qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos donc sur Dofus. Dites-moi également la qualité du micro, si elle est mieux qu'avant. Et puis bah voilà les gars, moi je vous fais de gros bisous. Et puis bah écoutez, là je suis en train de paramétrer mon PC pour qu'il soit optimisé un maximum. Je vous dis à très vite, c'était Joystick, ciao les gars. À toutes les soirées obligées, faut que ça fume à fond. Une main sur le pet, une autre dispo pour tes nichons. Fume à fond, fume à fond. Ouais, y'a du monde au balcon. À toutes les soirées obligées, faut que ça fume à fond. Une main sur le pet, une autre dispo pour tes nichons.